Salut les Piu-Piu, prêt à craquer le truc? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la défonceuse. Comme je vous ai dit, la machine, elle est assez dangereuse. À chaque fois qu'on va toucher à la défonceuse, il faut vraiment s'assurer qu'elle soit débranchée. Pour changer en fait une fraise, on va, avec cette gâchette-là, enlever la mesure qui avait été appliquée lors de la précédente découpe. Une fois que le plateau est complètement donc descendu, on va pouvoir s'aider de clés plates pour venir en fait dévisser l'écrou qui est ici et pouvoir changer la fraise. Et là, on va venir, hop là, dévisser et on va pouvoir tout simplement changer la fraise. Et là, donc, on resserre et on fait bien aussi attention parce qu'il y a des diamètres différents sur la fraise. Si ce n'est pas le bon diamètre, il va y avoir un petit peu de jeu. Et donc, quand on serre le boulon, il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas justement ce jeu-là, et ce qui veut dire que le diamètre utilisé est le bon pour la machine. Parce que sinon, ça va tourner un petit peu dans le vide et vous n'allez pas bien faire le mouvement. Et donc là, ne pas hésiter à mettre beaucoup de force pour être sûr que ça ne bouge pas.